Marc Lène m'a lancé le défi de peindre d'après son dessin. Chacun va s'adapter au style de l'autre. Nous allons faire l'inverse. Je vais faire un dessin et je vais demander à Marc, je vais lui lancer le défi de le peindre, bien sûr, dans son style à lui. Alors, le sujet que j'ai choisi, c'est le pont en bois qui se trouve sur le site archéologique d'Ambrossov, dans l'Hérault, entre Nîmes et Montpellier. Ce pont, donc ce morceau d'aqueduc romain, a été peint par Gustave Courbet aussi en 1857. Et à cette époque-là, il y avait deux arches. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule. On rentre dans la matière, et nous, tu sais, on ne fait qu'un, là, on se lie avec. On utilise beaucoup les doigts pour dessiner au fusain. Et donc, par conséquent, on travaille, oui. Un peu dans le sale, là, c'est ça qui est bien. T'sais. Ça rejoint un peu la peinture au niveau matière, je trouve. Donc on laisse un petit peu plus d'espace. Ici à gauche, c'est plus grand parce que c'est plus près de nous. Ah ouais, elle est plus petite, elle est plus grande. Vous voyez, comme le bas de la fenêtre ici est plus bas que le bas de la fenêtre ici, ce qui prouve vraiment qu'on a une perspective qui s'en va sur le côté droit en montant ici un petit peu. Donc ma ligne d'horizon est au-dessus. Ça monte un petit peu. Voilà. Tiens, on va la noircir déjà un peu. Comme ça, on la perdra pas trop. Vous voyez, dans le côté droit des pierres, ça s'en va vers le point de fuite à droite, mais le côté gauche ici, le côté gauche des pierres, s'en va vers le point de fuite à gauche. Et c'est là où après, on va un petit peu rentrer dans le détail, mais ça me permet ici déjà de placer. Donc là, si on veut tracer quelques lignes maintenant dans la bonne perspective de pierre, ici c'est assez horizontal, il n'y a quasiment pas de perspective ici. Tranquillement, là, ça va commencer à monter vers la droite. Vous voyez, je place la perspective qui va vers la droite. Alors, comme ici on avait ça, là, hein, on replace, ça c'est un peu effacé. Et ça, hop, ça monte vers la droite. Ici, ça monte vers la gauche. On passe un peu une chose, voilà. Donc ici, voilà, lui, il est plus haut. Lui, il est plus bas. Alors, vous voyez, moi, je vais le remonter un peu, lui. Voilà. Effectivement. Oui, parce que si je prolonge ça vers ici, hop, on va arriver là. On pourrait presque considérer tout ça comme un travail préparatoire au dessin, mais qui est vraiment d'une très grande importance. Oui, sans oublier qu'ici, les pierres courbent un petit peu. Ça, c'est bon. Et là, on s'en va maintenant vers le point de fuite qui est à gauche là-bas, pour le même que lui. Hop, vous voyez. Donc, cette ligne-là et celle-là ont à peu près, devraient avoir à peu près le même angle. Voilà, cette largeur de pilier doit être beaucoup plus grande que celle-là, puisqu'il est plus près de nous. Le niveau de l'eau est ici. Ouais, donc ici, le niveau de l'eau va arriver ici aussi. Cette largeur qui est loin. Ici, ça va être plus large, parce que c'est plus près de nous. Voilà, je suis toujours en train de surveiller mes perspectives, hein, tout le temps. Ah, voilà, le coin ici, il va. Ici, il est pentu, alors ici, il est courbé. Jusque, je dirais, ici, même à côté de la... Voilà. Au niveau de la fenêtre, ici. Vous voyez, nous avons ici deux pierres assez importantes, imposantes. C'est assez gros et assez près de nous qu'on peut facilement compter les pierres ici. Hein. Sur la fenêtre, on en a trois, donc peut-être que ma fenêtre est un peu petite, un peu haute, je ne sais pas. On pourrait grossir ça. On a trois grosses pierres. Hein. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est lorsqu'on est rendu à ce genre de détails-là, c'est peut-être tricher un petit peu là. Effacer ça. Oui, c'est ça. Regardez, l'espace est trop petit ici. Il faut que je descende la fenêtre. Hein. Mais si je descends elle, il faut que je descende de l'autre aussi. On n'a pas le choix. Voilà, on va dire à peu près ça. J'ai un petit peu récupéré de la hauteur. Voilà, ici, on a deux gros pavés énormes. Un et deux. Oui, ça, je peux le monter un petit peu encore aussi. Donc, lui aussi, on va le monter un peu. On joue sur ces ajustements-là. On en a trouvé ici. Alors, c'est un travail de Romain. Il faut faire attention à le respecter. Et cette pierre va beaucoup plus loin.
ici et ici. Et c'est là où commence l'arche, ici, avec les pierres comme ça. Et puis là, on en a deux, à nouveau. Et j'aurais pu grossir un peu celle-là. Un peu plus épaisse. Voilà, deux ici. Alors, c'est très brouillon ce que je fais. Hein. Vous pouvez vous dire, mon Dieu, c'est pas vraiment beau, mais on va venir après. C'est un peu comme en peinture. Hein. L'avantage du, voyez, du fusain, c'est que on peut travailler par couche, comme ça, tranquillement. Par étapes. Hein. Tiens, voilà. C'est là où nous avons pas mal de végétation. Et je vais déjà noircir un petit peu tout ceci. Voilà, après, de là, nous avons cette pierre. Nous en avons deux autres à peu près qui arrivent ici. Puis, pour descendre jusqu'ici, on a une série de pierres un petit peu en escalier. Voilà. Voilà, et ici, si vous regardez ce qui est intéressant sur la photo, vous allez le voir, vous regarderez de près. Ici, on voit tous les matériaux qui se trouvent en dessous de la voie. Hein, la voie romaine qui était ici, où passaient sûrement les chars, je pense. En dessous, il y a plein de cailloux ronds, puis on voit vraiment les couches de construction. Et tout ça ici, c'est tous des petits cailloux ronds qu'il y a en dessous, la dernière dalle, la dernière pierre. Hein, c'est assez... c'est des petits galets, des tout petits galets de rivière. Voilà, donc là, par rapport à ça, nous avons là-bas, hop, une pierre comme ceci, une comme cela. Ça, c'est un peu plus important de le détailler parce qu'on s'en va de l'autre côté. Alors là, ah oui, c'est ça, c'est elle qui n'est pas assez haute, ça c'est bon. Donc là, on a une belle grosse pierre où je suis monté trop haut, simplement. Je ne suis pas au bon endroit. On a une belle grosse pierre ici. On est vraiment là, on est à l'horizontale, c'est fini, on n'a plus de perspective ici. Voilà, parce qu'on s'en va. Voilà, c'est là où on voit qu'on s'en va derrière. Donc là, on a la voie qui penche ici, puis là, on s'en va dans l'autre perspective là-bas. Si vous aimez le paysage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un cours gratuit de peinture de paysage pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. C'est à peu près ça, il me semble, par rapport à ça. On monte ici. Voilà, je pourrais toujours le corriger après avec mes détails là. Mais grosso modo, ça ressemblerait à ça. C'est sûr que dès qu'on va placer vraiment les bonnes ombres et lumières, tout ça, ça devrait fonctionner. La base est faite. Voilà, donc je vais y aller d'abord dans travailler les valeurs, un petit peu les valeurs. Donc je vais prendre mon fusain. Moi, j'aime bien y aller travailler avec les doigts. Alors le plus blanc, c'est ce qui est à gauche ici. Le mur à gauche ici. Le plus foncé est ici. Donc je peux déjà commencer à foncer ici, voilà. Je passe un petit peu mon doigt. Et hop. Je vais juste passer mon doigt un petit peu ici, sans plus. On peut toujours refoncer à nouveau encore. Tiens, je vais prendre un fusain plus gros. Voilà, le noir ici. Alors, je vais me concentrer sur le pont, mais aussi ce qu'il y a autour, qui fait qu'il va se détacher un peu. Et là, on va commencer à simuler un petit peu des pierres. Vous remarquerez que je ne ferai jamais toutes les pierres une par une. Je donne l'impression que c'est des pierres. Sinon, si je veux toutes les faire une par une, je vais en avoir pour des années. Puis je vais revenir avec l'estompe un petit peu aussi, en mettant de repalir certains endroits. Vous voyez, ça retire un petit peu le fusain. On a une zone ici qui est un peu plus pâle et là où qui est plus foncé. Donc, je reviens en enlever encore ici. Voilà, puis tranquillement, on peut refoncer encore ici au besoin. Et en utilisant une estompe plus chargée de fusain, je peux me permettre de revenir faire des petites traces plus foncées ailleurs aussi. Allez, on va travailler l'arche ici, là, le côté droit. Je continue à faire mes espèces de simulations. Hein. Voilà, puis vous remarquez que la pierre n'est pas blanche, donc on est à salir un peu. En fait, nous avons des parties très blanches là sur la photo, si vous les voyez bien. Eh bien, c'est simplement de la surexposition de la photo. Hein. Voilà, là c'est pareil, on va faire quelques marques de lignes de pierre. Là, c'est un petit peu trop haut, je le descendrai peut-être. Hein. Ou remonter un peu là aussi. Alors en faisant la végétation autour après,
eh bien, il va falloir que la pierre soit plus pâle que la végétation. Donc, je vais garder les pierres ici assez pâles. Je vais juste finalement placer surtout les joints entre les pierres. Ce travail d'estompage va rendre les blancs du papier moins blancs, puisque la pierre, même là où elle est la plus pâle, elle est quand même un peu grise. Ça adoucit un peu les lignes de contour des joints entre les pierres. Ça ajoute un petit peu d'irrégularité à l'ensemble. Donc ça paraît un peu plus naturel. Et aussi, comme c'est la partie éloignée du pont, ça apporte un petit peu de flou qui va aider un peu à donner la profondeur dans le tableau. Vous voyez, comme si je veux maintenant vraiment améliorer la fenêtre. Alors j'ai deux choses à faire. C'est d'abord mettre plus de noir dans le côté gauche et en haut, ici, dans l'angle. Vous voyez, pour que ça creuse un peu plus. Je vais pâlir un petit peu ici. Et je vais venir effacer avec ma gomme mid-pain que je modèle un petit peu pour lui donner une surface mince. Je vais venir un petit peu effacer ici pour que ce soit plus blanc qu'ailleurs. Je refonce un petit peu ici pour que la partie claire soit plus fine. Voilà. Ah oui, je dois continuer ici un petit peu. Rendre ça plus gris avant qu'on vienne faire la végétation. Ici, voilà. Ce qui est intéressant aussi peut-être de faire, c'est déjà de commencer à nous positionner des reflets ici dans l'eau. Et une fois qu'on aura fait la végétation, on sait qu'à partir de là, le reflet du pont, on n'aura plus qu'à venir faire quelques nénuphars. La végétation, je vais la faire après, je continue le pont côté gauche. Même principe. Je vais fermer d'abord des joints de pierre. Voilà, je fais un petit quinconce à ma manière. Voilà, donc là aussi, il faut se dire que ça, c'est plus près de nous. Ça s'éloigne vers là, puis ça s'éloigne vers là-bas. Au niveau des détails, tout ça. On va refaire juste un petit peu voilà, le contour ici. Quand j'ai besoin de noir, je peux venir en chercher un petit peu dans la fenêtre. J'en remettrai après. Voilà, toutes les pierres qui sont du côté face à moi du pont sont plus foncées. Mais celles qui sont du côté gauche sont plus pâles. Voilà, je vais nettoyer mon estompe avec la gomme. Et je vais pouvoir pâlir un petit peu ces pierres-là, tout en les estompant quand même. Ça va être vraiment important de bien représenter ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Voilà. Comme maintenant, je pourrais aussi, avec la gomme, simplement venir repâlir un petit peu le côté gauche des pierres. Voilà. Ici, je redéfinis un peu le côté gauche et le côté droit. Gauche, droit, gauche, droit. Par ici, gauche, droit. Là, avec la grille d'effaçage ici, ou une règle, vous pouvez faire effacer des zones plus droites. Bon. Là, je redéfinis un petit peu le côté des pierres, parce qu'ici, ça va être de la végétation. Et je vais commencer à faire aussi la végétation. On peut faire jouer quelques lumières ici et là. Ça va être aussi, comme on le voit un peu sur la photo, là. Des parties un petit peu plus blanches de la pierre. Ah ben là, c'est sûrement, ça se peut que ce soit des agglomérés, des ciments plus récents de restauration, ça. Hein. Ça se pourrait aussi, là. Je ne sais pas. Ok, là, je m'aperçois que ma perspective est peut-être un petit peu exagérée, quand même. En fait, je fais souvent ça, hein, dans mes tableaux de... Quand tu as une perspective, très souvent, je vais l'exagérer. J'ai tellement peur, des fois, qu'on ne la voyait pas assez, que je vais la renforcer. On va placer quelques pierres ici. Et aussi des écoulements qui ont sali tout ça. Hein. C'est toujours plus donner l'impression que faire vraiment les choses. Voilà, comme là, c'est plus pâle sur le dessus. Je vais même y aller avec la gomme. On va retirer un petit peu de matière pour créer des joints plus pâles dans l'ombre.
peut aussi pâlir comme ça quelques zones de pierre, puisque l'eau ici sera plus foncée que le pont. Je vais travailler la fenêtre. Alors, je préfère effacer un peu plus, puis après revenir. Voilà. Là, c'est droit. Ça monte un petit peu. Donc, elle est plus basse, elle est plus haute. C'est bon, ça monte, ça monte. Ça monte par ici. Ça, son équivalent est là-haut. Ça, ici, son équivalent est ici. Il est plus bas. Ça monte vers là-bas. Hein? C'est bon. Je pense que mes perspectives sont assez bonnes. On va regarder le reste pour l'eau, on va faire la végétation. Je vais commencer par faire de la végétation ici. Vous voyez, je vais découper un petit peu le pont avec une végétation pas trop foncée, pas trop dense. Donc je la commence foncée, puis je vais venir l'adoucir un petit peu, l'apaiser avec l'estompe. Je pense que le niveau de l'eau va être à peu près ici. Ok, j'y vais avec l'estompe pour, comme j'ai dit, adoucir tout ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression de faire de la végétation avec un pinceau, là, de la peinture. Si c'est trop foncé, avec une estompe essuyée, je vais en repalir ici. Avec la gomme, je peux faire réapparaître un petit peu du ciel. Peut-être un tronc d'arbre. Quelque chose d'horizontal, un peu comme on voit sur la photo. Je fais un petit peu plus bas, mais c'est vraiment pas important. Des rochers ou autres. Voilà. Pensons toujours à juste suggérer les choses plutôt que de les faire trop fort, trop importantes. Alors ici, sous le pont, on va essayer de replacer un petit peu le ciel. Alors le papier n'est plus blanc comme il devrait l'être. C'est pas bien grave. Peut-être, oui, c'est ça, à ce niveau-là, peut-être un chemin, une route. Le niveau de l'eau arrive à peu près ici. Donc au-dessus de ça, de la végétation. Alors, vous voyez, c'est pas très... Il n'y a pas un gros contraste entre le pont ici puis la végétation là. C'est à peu près la même chose. Donc, juste retracer un peu le contour ici, mais ça se confond un peu, puis c'est pas grave. Hein. C'est pas nécessaire que tout se découpe tout le temps. Vous voyez, l'eau sera foncée, donc ça, par contre, ici, ça va se découper sur l'eau avec le reste de la végétation. Pas là en haut, plus foncé en bas. Jamais trop foncé puisque c'est de l'autre côté. Okay. Par contre, ici, donc là, nous avons notre ligne d'eau. Et ici, c'est pas mal foncé. C'est là, c'est notre reflet dans l'eau qui descend jusqu'ici à peu près là et qui est plus foncé, beaucoup plus foncé que le ciel, le reflet du ciel et le bord du pilier ici. Ça finit flou. Voilà. Par contre ici, le bas du pilier est plus foncé que l'eau. On va faire la végétation qui se trouve à gauche derrière le pont. Quelques branchages là-bas loin. Bien flou pour être bien loin. On peut même en mettre un petit peu plus pour faire ressortir encore un peu plus la pierre, plus pâle que la végétation. Même principe du travail de l'estompe. Là, j'aimerais aussi revenir encore effacer quelques lumières sur les pierres. C'est ça, donc ici. Voilà, on fait des petits ajustements comme ça. Là. Donc là, on va continuer l'eau qui est assez foncée. Même si sur la photo, on ne voit pas vraiment de branches ici, on pourrait juste en simuler un petit peu, comme ceci. Un petit peu de ciel. Voilà, ça fait plus végétation. Donc là, maintenant, nous allons mettre la végétation en avant, sur le pont, par exemple, ici. Ici aussi, donc je vais prendre le fusain un peu plus noir, un peu plus gros. Je suis monté beaucoup trop haut. Par rapport à la photo, ce qui n'est pas grave, c'est parce que ça a poussé un petit peu plus vite. Pour le bas ici, végétation d'en bas, je vais y aller vraiment flou comme ceci pour commencer. Dans l'eau, on va garder une impression toujours pour l'eau assez horizontale, que ce soit
des espèces de nénuphars ou autres. L'avant-plan descend ici. Zone plus foncée, zone plus pâle, c'est varié. La végétation ici. C'est tellement humide que ça pousse très bien. Les plantes grimpantes. Bien entendu, il faut aussi leur reflet dans l'eau. Donc on va adoucir un petit peu, éclaircir tout ceci. Quelques plus pâles par ici comme ça. Bien sûr, leur reflet dans l'eau aussi. Des petites lumières ici aussi avec la gomme à effacer. Encore un petit truc. Ici, je pense que ces pierres doivent être un petit peu plus foncées. Je vais les foncer un petit peu. On a un petit peu des végétations aussi à faire ici légèrement. Là aussi, ça sera un petit peu moins droit. Oui, parce que sinon, c'est trop régulier, c'est trop beau. Donc, ces pierres-là, plus foncées un petit peu. Et le côté droit va être un petit peu plus pâle. Oui, cette ligne est trop visible, trop apparente. Là, on devrait avoir vraiment, par rapport à ça, ici dessus, un excès d'éclairage, de lumière, oui. On voit moins l'angle, moins le coin. Et la première pierre ici du mur est beaucoup plus pâle. Ici aussi, ça, voilà, c'est ça. Hop. C'est que ce soit pas régulier. C'est pas pareil à droite et à gauche. T'sais, il s'agit toujours de trouver l'équilibre entre le flou et la netteté pour ne pas rentrer trop dans le trop réaliste. Parce que si c'est trop réaliste à un endroit, il faudra que ça soit autant réaliste partout ailleurs. Et faire quelque chose de très réaliste au fusain comme ça, ouf, c'est pas évident. Il faut savoir aussi arrêter à un moment donné. Et je pense que le moment donné, c'est maintenant. Voilà, donc vous avez vu ma façon à moi personnelle aussi de dessiner, qui est pas mal différente de la façon dont dessine Marc. Lui, il travaille plus précisément au crayon, tout ça. Il prend beaucoup de temps, moi j'y vais plus vite. Chacun a sa personnalité, c'est ça qui est merveilleux dans l'art. Mais je vous invite aussi à aller voir donc comment Marc va faire sa peinture à partir de ce dessin.